Bonjour à tous et à toutes les amis. Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo Nutri News du mois de février, votre rendez-vous de l'information en nutrition. Si vous voulez avoir des infos sur la nutrition, vous êtes au bon endroit. Ouais, si vous regardez plus la télé aussi, ouais, il va falloir s'informer. Ça vous permet d'avoir des informations avec nous, voilà. Alors, la première info, c'est la sortie du film Sugarland. En fait, Sugarland, c'est pas un documentaire comme les autres, c'est un long métrage mené par l'acteur australien Damon Gammo. En fait, pendant 60 jours, ce trentenaire qui avait une alimentation vraiment équilibrée, saine, riche en produits non transformés, a consommé l'équivalent de 40 cuillerées de sucre blanc par jour. Alors, outre les effets sur sa silhouette, il a pris 8,5 kg et 10 cm. Au niveau de son tour de taille. En fait, dans ce film, on va vraiment découvrir les quantités insoupçonnées de sucre qui sont cachées dans notre alimentation et l'action des lobbies du soda, etc. Donc après, je crois qu'il y a une dizaine de séquences qui sont hallucinantes, eh ben, je peux vous dire qu'on n'a plus envie de manger du sucre. Voilà. Ça met en évidence vraiment les dangers du sucre dans notre société. On a surtout envie de lire les étiquettes pour arrêter de s'intoxiquer avec le sucre. Exactement. Alors, on continue avec le sucre. Alors, je sais pas, ça a bien tourné aussi sur Facebook, tout ça. Le Nutella, en France, a pris bradé. Pas du tout du goût des dentistes. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu des promotions sur les pots de Nutella qui ont provoqué des bousculades dans les supermarchés en France. Donc c'est pas, les dentistes sont pas très pour, et attention, donc c'est vraiment le danger avec le sucre. Donc attention, Nutella, c'est pas parce que c'est un prix bradé qu'il faut aller en manger des tonnes, hein, attention. Donc vraiment, là, ce qui est souligné au niveau de cette information, c'est que les dentistes trouvent qu'il y a une incohérence au niveau de la prévention des dangers du sucre. C'est ce qu'on se disait avec Sugarland. Comment on peut en arriver à de telles scènes alors qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le sucre est vraiment dangereux pour la santé. Et d'ailleurs, le Nutella en contient beaucoup. Ensuite, obésité infantile. La qualité du sommeil préviendrait les risques. Une nouvelle étude américaine invite les enfants à dormir plus pour prévenir l'obésité et les risques de cancer. Ces résultats sont présentés dans le cadre de la conférence de l'American Association for Cancer Research sur le lien entre obésité et cancer, qui s'est tenu du 27 au 30 janvier à Austin, au Texas. Alors ensuite, on va parler du curcuma. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette petite racine excellente pour la santé. Le curcuma est bon pour la mémoire et pour l'humeur. Consommez tous les jours du curcuma, cette épice qui donne sa couleur ensoleillée au curry indien, pourrait améliorer la mémoire et l'humeur des personnes présentant une légère perte de mémoire liée à l'âge, par rapport à une étude américaine qui a été conduite par l'Université de Californie à Los Angeles. Et en plus, c'est délicieux. C'est trop bon. Dans les jus, dans les plats, mettez du curcuma. Mettez de la couleur dans vos assiettes. Ensuite, prochaine news, plainte de l'UFC Que Choisir. Il y aurait des nanoparticules dissimulées dans certains de nos aliments. Confiseries, épices ou dentifrices contiennent parfois des nanoparticules aux effets méconnus sur la santé. Sans que les consommateurs en soient informés, bien sûr, dénonce l'UFC Que Choisir, qui porte plainte contre 9 fabricants qu'elle accuse de dissimulation. Donc voilà, on rebondit toujours sur ce qu'on vous dit sur cette chaîne. Au moins quand on mange des aliments bruts, on prend beaucoup moins de risques. Oui, moins. Il y en a, mais on en prend moins. Alors, envie de chocolat. Des chercheurs identifient les neurones coupables. Pourquoi se jette-t-on sur du chocolat et autres sucreries quand on est stressé? Une équipe de chercheurs japonais ont identifié les neurones responsables, offrant l'espoir de faire avancer la recherche pour les personnes souffrant de surpoids. Voilà, donc on en parle souvent dans nos vidéos. Attention, voilà, il y a des facteurs qui sont plutôt psychologiques que physiologiques sur les addictions. Boissons énergisantes, des effets indésirables sur la moitié des jeunes consommateurs. Une étude montre que plus de la moitié des jeunes canadiens ayant consommé des boissons énergisantes comme le Red Bull par exemple ont subi des désagréments physiques comme des palpitations cardiaques, des nausées et beaucoup plus rarement des convulsions. Donc la meilleure solution pour ne pas être confronté à ce genre de situation, c'est de ne pas en consommer. Bah oui, mais pour pas en consommer, il faut manger suffisamment. Bah si on prend des boissons énergisantes, c'est qu'il y a un problème. Je connais des personnes qui prennent du Monster toute la journée, qui prennent du café, etc. Donc si vous prenez ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est des béquilles. Voilà, vous trouvez de l'énergie ailleurs. Alors mangez correctement ce qu'il faut et au moins il y aura l'énergie.
Ensuite, cancer de la prostate. Le régime méditerranéen diminuerait le risque. Un régime de type méditerranéen peut diminuer le risque de cancer de la prostate agressif chez l'homme, conclut une étude espagnole très récente. Donc le régime méditerranéen, pour rappel, c'est bon gras. Bon gras. Ensuite, les meilleurs régimes à tester en 2018. Ah, ça va en intéresser certains. Le magazine US News and World Report vient de publier son classement annuel des meilleurs régimes pour la 7e année consécutive, le régime DASH, a été élu meilleure méthode pour perdre du poids. Moi, comme je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas de régime miracle, juste équilibrer votre alimentation, ça ne sert à rien de rentrer dans des régimes restrictifs. Si vous ne pouvez pas le tenir à l'année, ben pour moi, ce n'est pas une façon de s'alimenter. Exactement. Ensuite, blanc. Dernière news. Allez. Allez, une portion hebdomadaire de poisson peut-elle améliorer l'intelligence des enfants ? Une nouvelle étude américaine suggère que les enfants qui mangent du poisson une fois par semaine pourraient bénéficier d'un meilleur sommeil et obtenir de meilleurs résultats à l'école et au test QI que ceux qui mangent du poisson beaucoup moins souvent, voire jamais. Donc là, on parle de manger du poisson juste une fois par semaine. On ne dit pas de manger matin, midi et soir. Donc là, une fois par semaine de manger du poisson, ils ont vu une nette amélioration sur la concentration et le QI des enfants. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour ces petites informations du mois de février. On espère que ça vous aura plu et que vous avez appris plein de choses. En attendant, nous on vous envoie plein de mots positifs et on vous dit à très bientôt. Salut. Ciao, ciao. Toc, toc, toc. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors si t'as envie d'être informé de notre actualité, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. C'est juste en bas à gauche. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à te rendre sur notre site internet www.j'alimentemasanté.com pour tout ce qui est stage, coaching et accompagnement. Voilà, on t'embrasse. Ciao, ciao. Ciao.